Eh bien, salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo en multi. Donc voilà, donc je suis en multi avec Fioni, donc, tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire un petit multi sur certains boss. Pas des boss sur Inisil, puisque je vous prévois une petite vidéo de présentation dessus. Donc... on va tout de suite commencer. Voilà. Donc, je pense qu'on va commencer par le Dormagon. Hein. Entre nous, voilà. Moi, je suis un flemmard, donc je prends mon cheval. voilà. Donc, on va faire le Dormagon. En priorité, bon, il est archi nul. Hein. Bon, vous savez, avec mon équipe, quand je prends Mustang et Liane. J'ai vraiment très vite. Oui, donc ils sont là. Donc alors, on va se garer. Puis écoutez, on va commencer. Voilà, donc bon, c'est normal si je parle pas trop. Ah, il a déjà tué les autruches. Ah non. Bon, il y a plus d'autruches. Sur le dans ma room. Ouais. Donc elle est paladin. Moi justement je savais qu'elle allait prendre paladin. Du coup j'ai pris chasseur. Donc voilà, donc on va continuer je pense vers là-bas. Alors c'est parti. Le butin. Je vais le laisser là. Voilà. Je suis donc dieu, paladin, chasseur, mercenaire, mage, forgeron, menuisier, mineur, bûcheron presque, si dieu pêcheur aussi, et dieu. C'est tout. Après, donc, j'essaie de travailler justement pour devenir dieu alchimiste d'ailleurs. Et donc. Ah. Voilà, un petit temps. Quelqu'un qui nous embête. Alors, on va commencer le combat contre le spectre de la terre. À ne pas confondre avec le spectre de la forêt, car il y a le spectre de la forêt qui apparaît la nuit dans Forestral et le spectre de la terre qui apparaît de jour dans le cœur de Forestral, justement. Donc là, on fait extrêmement mal. Enfin, l'attaque fait vraiment mal. Je pense que vous allez bien le voir. Hein. Hop. Bon, par contre, désolé si vous voyez. Bah merde, il est déjà mort. Ah, ça va vite en fait. Hein. Bon, alors. Ce que je vous propose, c'est que on aille à un autre endroit de boss. Et on se retrouve tout de suite après. Et donc, les amis. On se retrouve aux ruines anciennes. On va buter des mobs, c'est ça. Donc, alors. On va se faire les trois boss. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Calamitus, le dragon doré et Behemoth. Je pense qu'on commence par Calamitus. Allez, vous avez vu, vous voyez le joli appareil photo. Juste pour le fun. Vous voyez le joli appareil photo, vous avez vu, c'est magnifique. Hein. Bon. On va tuer le cobra. Ouais. Allez, vas-y, tue-le. Je me demande si je peux le miner. Je vais pouvoir. Hein. Et pourtant, je suis pas mineur. Hein, En réalité, je suis pas mineur. Bah, je suis GSR, hein, vous pouvez le voir, je pense. Voilà. Ça, c'est fait. Ah, elle... eh oui, mais j'ai eu peur qu'elle tue. Non, faut pas qu'elle tue parce que bon, y a des trucs qui sont chiants à voir là-dedans. Hop. Ah, voilà. Je viens de tirer de la masse, on l'a vu. Ah, c'est qu'avoir un champ de terre. Là, t'as pas ciblé. Pourquoi il a pas ciblé? C'est trop chelou. Alors, du coup, on continue. Attends, parce que. Je crois qu'un truc dedans, ça crée le bordel, donc. Vaut mieux pas. On arrive bientôt chez Calamitus, parce que là, il y a les araignées empoisonnées. Enfin, je sais pas comment vous les appelez. Hein.
Si, il y a des bugs. Il y a des bugs. Si, en fait, je vois pas les points de vie sont bizarres. Et donc là, ça se voit qu'on arrive au bon endroit. Ah, c'est bon. Bug réparé. Mais non, mais... Hop, là-bas. Si, j'avais. Si, ça, ceci est un bug. Donc, Camitus, coucou. Est-ce qu'on peut le faire dormir? Ça, c'est une grande question que je me pose. A priori, non. On peut pas. C'est super bien. La jauge va être remplie archi vite, vous allez voir, c'est impressionnant. Hop là. Bon, après Calamitus, moi je l'ai combattu au niveau 20, j'ai réussi à le battre. J'ai une heure à battre, donc voilà. Donc, nos commandeurs. Non mais... J'ai voulu tenter au niveau 30, bah j'ai regretté parce que j'avais genre 99 prochaines périodes, j'ai tout utilisé. Et à la fin j'avais plus rien, j'avais juste gagné le droit d'avoir battu Calamitus, mais... Voilà quoi, enfin... C'est un peu triste. Parce que bon, tu te dis, ouais, je vais avoir des trucs super, ça se trouve, en battant, mais non, en fait, y'a rien. Donc, Calamitus de battu, c'est génial. On peut prendre un salle avec des momies. Et deux petits coffres, donc on va les ouvrir. Alors, mana d'ombre et sac d'or. Ça, c'est pas mal, mana d'ombre. Même si j'en ai plus du tout utilité. Non. Parce que si vous le mettez là. Hop, là, c'est mieux. Parce que si vous le mettez à l'endroit où je voulais mettre au début, eh ben, quand vous allez rentrer à la salle au trésor, il y a des meubles qui vont apparaître. Et là, plus de butin, ce serait bête. Si, un bug, normalement je l'en mets pas trop coup, normalement je l'en mets deux coups. C'est un peu bizarre, hein. On rase les runes anciennes. Si, c'est un peu bizarre, je trouve. Mais bon. Alors, des noctures, des... On est au bon endroit. On va d'abord buter le dragon doré, hein. Voilà. Ouais, des voyalous. Là, par contre, je peux pas faire de trucs spéciales. Hop, on dort tous. Ah, mais il... Ah, si, j'ai peur que je sois pas là. Bon, allez, hop. On perd pas de temps. Regardez les coups critiques que je vais faire. Violence. Ça, c'est de la violence, hein, mais... moi, je sais que je suis mieux. Non. Pas qu'il me paralyse, sinon je peux pas faire mes adages. Hein. Ce serait bête. Hop, voilà. Allez, les coups critiques. Du coup, c'est pratique, on peut annuler ses attaques. Excusez-moi si je bouge un petit peu. Alors là, j'ai un gros d'or pour vous montrer ce que c'est. Ben, ça, c'est un faux coffre. Voilà. C'est de la... Non. Il n'y a que lui qui est... Lui, il est vrai. Lui aussi, il est vrai. Voilà. Donc, ceux de là, ils sont vrais. Voilà. Généralement, quand c'est des faux, hein, je crois que vous avez remarqué, quand on s'approche d'eux, ils font... petite goutte de sueur, comme quoi voilà, ils sont un peu stressés, ils sont découverts et voilà, c'est ça le signe. Donc là, émeraude, rubis, peut-être un zaphir, je sais pas, peut-être un zaphir alpha. Non, c'était une blague de non, c'était nul, c'était très nul. Je sais pas, j'ai voulu tenter, mais dans un élan, je me suis aussi scratché. Donc, bon. Ah, il y a des trucs en fait, je récupère des pièces. Bien ça. On va aller tuer le dernier mob des ruines anciennes.
Voilà. Ah, je vais préciser. Ces dragons-là, on peut les adopter si on a le DLC. Voilà, les dragonnets, on peut les adopter si on a le DLC. Si vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas les adopter. Mais sinon, vous vous adressez au vendeur de Célestère. Quand vous arrivez, et vous verrez, vous pouvez acheter lui, le dragon mignon, donc le bébé du dragon chromé, et donc le dragon fraise, le bébé du dragon du Dormammu, quoi. Enfin, je sais pas si c'est exactement ça les noms. Où est-ce qu'elle est? Ouah, elle m'a déjà doublé. What? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi, j'étais en train de parler, mais... Vous avez vu le beau reflet qui est sur la caméra, là? Je sais pas où elle est. Je sais pas où elle est.